Allez, bonjour, bienvenue à tous bonjour. Dans ce nouveau vlog. Je suis avec Laurent. On peut dire bonjour Laurent. Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, on a fait un programme et on est en shootout pro. Regardez le monde qu'il y a derrière. D'ailleurs, on va avoir le premier départ pro. C'est parti. Et voilà, boum. Et vous allez pouvoir suivre le vlog en mode vlog et en mode parcours accompagné. C'est Laurent qui va filmer le parcours et on regarde ça dans quelques instants. Vous allez pouvoir suivre le shootout. Donc le shootout, à chaque fois qu'un pro fait un moins bon score, il sort et le but c'est de gagner donc contre tous les autres pros. C'est parti, bon parcours à tous. Coup numéro 2, Jeff. Aïe. Monte ton level tout de suite. Ouais, ça peut le faire ça. Elle est bien, mais un peu à droite. Allez, loft un peu fermé. Constance.
croyant. On a, alors, j'étais en direct. Je vous présente Sylvester, du golf de Lille. Yeah. Quel âge Sylvester? 66. Notre Tiger Lillois. Notre Tiger Lillois. Il vient de passer le premier tour contre plus de 10 pros. Qui tape beaucoup plus fort que lui et il fait birdie au 1. Donc là, on va voir s'il va, il va tenir le choc. Tu vas tenir le choc, Sylvester. Exactement. Check. C'est bon ça. Exactement. Bon, on regarde ton coup, on va te suivre. Et puis fais-nous rêver. Hein. On y va? Allez, c'est parti. On regarde notre Tiger Woods. Ok, donc on est au deuxième coup de Sylvester. Regardez bien, il est dans le rough, il a environ 135 mètres. 135 mètres, un petit fade serait l'idéal. Dans le rough, il faut qu'il coupe la balle pour l'arrêter un peu sur le green. Regardez bien, c'est parti. C'est un super coup de golf. C'est un très beau coup de golf. Waouh! Hey, un Tiger Lillois en place, les amis. En place. Il joue le birdie. C'est pas mal. Allez, vol. Ouais, super. Bien joué. Petit coup de wedge. Mais un très bon drive. C'est très bien aussi. Dans la caisse. Oh! Alors, je ne sais pas si c'est l'effet des spectateurs, mais ils sont tous très chauds. Hein. Très très chaud. Très très chaud. Il a touché le trou, virgule. Sylvester a rehaussé le niveau tout de suite. Hein. Voilà. Il a monté d'un cran un petit peu ce qui. Le niveau du jour, les autres pros doivent se mettre tout de suite. Au son de la musique, obligatoire. En tout cas, golf de Mormal, superbe golf, si vous ne l'avez jamais découvert, entre les lacs et les arbres, plutôt bien entretenu, une belle équipe, un bon accueil, si vous ne l'avez jamais découvert, donc près de la Belgique, à 20 minutes de Valenciennes, superbe golf, vous pouvez le découvrir pendant ce vlog. Et on continue la partie avec une belle position de birdie de Sylvester. Exactement, Laurent. Exactement. A presque une balle donnée. Ouais. On va voir si les mains ne tremblent pas, parce qu'apparemment j'ai cru comprendre que Sylvester avait des hips. Alors l'hips, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction nerveuse comme ça, à main droite, donc ça fait tourner la face de club. On va voir s'il tient le coup. Alors trois putts très différents. Un droite-gauche, un gauche-droite et un putt en descente. Là on est environ à 4,50 m. Ah, dommage. C'est un bon pas. Les potes de Andrea. Potes de Andrea pour birdie. Et Sylvester qui joue maniement avec sa balle et qui savoure déjà sa victoire. Alors regardez bien. Vous avez préparé les bouteilles de champagne? C'est bon? Prêt?
remercier Sylvester pour Birdie. Est-ce que les mains tremblent ou pas? Il le fait! Sylvester, énorme! Il a été fort, notre Tiger national, le Tiger lillois, le vainqueur du jour! On l'applaudit! Bravo! les amis. Bravo. 66 ans, l'exemple du golf senior. Bon, bah, y a une belle victoire de Sylvester. Sylvester, rappelle-nous une dernière fois ton âge. 66 ans et donc belle victoire. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu peux nous faire un petit débrief de tes deux trous? Est-ce que tu pensais faire birdie au 1? Pour moi, j'aime bien le défi. Je sais que je joue contre les jeunes. Et ça te motive? Ça me motive. Et avec mon expérience de golf, et je sais que tout peut arriver. Fantastique. Et le deuxième coup, alors là, qu'on a tous vu en live hein, pendant ce vlog, que tu pourras revoir bien sûr sur YouTube, et qu'on partagera avec Mathieu, que je vais vous représenter dans quelques instants. Fantastique. Ton deuxième coup, t'as pris quoi comme fer? Fer 8. Sur le deuxième coup du trou numéro 2, t'as mis un fer 8 exceptionnel. Bravo. Vraiment, te félicite. Et puis, chapeau bas. Bah écoute, tu gagnes 200 balles, hein. C'est toujours bien, c'est toujours beau, hein, 200 balles dans la poche, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent cette année? Oui, bon, une association caritative? Mais non, on ne gagne pas assez d'argent pour une association caritative. Hein. Bon, merci en tout cas, Sylvester, ta gentillesse et puis belle victoire. Tu remets ça le 10 août pour Belledune? Yes. Okay. Il faut que je trouve juste l'équipe, les amateurs qui peuvent jouer. Eh ben alors, les amis, le plus fort du jour, c'est lui. Donc si vous voulez faire un programme avec quelqu'un de super sympa et qui en plus gagne les shootouts, regardez-le bien, je pense que vous ne pouvez pas le louper. Il ressemble un peu à Tiger, mais en bleu. En bleu, on est pas mal. Bon, merci Sylvester. Thank you, merci beaucoup. Et pour finir cette vidéo, hop, juste à côté de moi, il y a Mathieu. On va recommencer. Donc juste à côté de moi, il y a Mathieu. Mathieu Lamotte, Click Golf, avec son équipe hyper sympa de pro. Si vous ne l'avez jamais découvert, eh bien, je vais le laisser se présenter en quelques instants. Donc c'est lui qui organise les programmes et puis il va parler un petit peu de ça et puis de la journée. C'est le moment de parler un peu des programmes. Bah, donc les programmes tour, c'est 6 dates cette année. Ouais. Et donc on a une petite idée de faire un shout-out sur chaque date. Donc ça permet aux amateurs d'avoir suivi leur pro toute la journée et puis aux membres du club aussi de venir suivre tous les pros en même temps. Ouais. Donc là on avait 15 pros ce soir. Deux équipes et il en restait plus que 3 au trou numéro 2 et Sylvester a calmé tout le monde à la fin du trou numéro 2 avec 2 birdies d'affilée. Donc super ambiance. Super idée. Et alors pour nous parler un petit peu du programme tour, les prochaines dates, si tu les as en tête. Alors, on a le 10 août à Belledune. Ouais. On a le 18 août à Brigode. Alors c'est un peu rapproché parce qu'avec le Covid on a dû recaler les dates où on pouvait. Et ensuite on a un RAS début septembre, le 1er septembre. Mérigny 22 septembre et la belle finale 12 et 13 à Saint-Omer. Donc les pros vont jouer le lundi en open, donc qu'entre pros pendant 27 trous. Et il y aura un super breakdown avec 1000 euros garantis au vainqueur. Et surtout une invitation pour jouer le Challenge Tour à Saint-Omer. Juste incroyable. En tout cas, tu te démènes Mathieu, merci à toi pour tout ce que tu fais pour les amateurs, pour les tournois et aussi pour les pros. Tu sais bien que je t'apprécie, t'es mon pote. Et même si on fait une vidéo, on est copains et les potes aussi s'encouragent un peu. Et Mathieu, vous pouvez le découvrir aussi avec son académie, Click Golf. Vous pouvez regarder, c'est les vidéos aussi en ligne. Ouais. Click and Golf et Académie aussi. Et puis ouais, à Lille-Flandre. À Lille-Flandre, à Valenciennes. Voilà. Pour ceux qui sont près de Lille et qui veulent découvrir le golf ou se perfectionner, ben n'hésitez pas à aller voir Matt. Et super on sympa. Une petite vidéo Click and Golf et OPP. Yes, on fera ça. À la bientôt, merci les amis. Allez, salut. Salut. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Victoire de Sylvester. L'étape du programme tour maintenant à Belledune pour la deuxième étape. Il y aura la même chose à Belledune, donc le 10 août. On vous donne rendez-vous pour un prochain vlog. Merci à tous d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les liens sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker si vous aimez. Et puis n'hésitez pas à commenter si bien sûr vous avez aimé ce vlog. A bientôt. Salut, ciao, ciao.